la semaine dernière. D'ailleurs, vous le voyez, vous découvrez hein, cette composition des Mauves. Et du côté rouge, eh bien, Mathieu et Polo, eh bien, dans les cages, de jouer avec, avec les plus jeunes pour être en forme, pour être fit, avec le noyau A. Oh, attention, cette mauvaise passe et Polo, ça va être le premier but. Aïe, aïe, aïe. Cette erreur de Mathieu et Polo, et puis il avait vu juste au milieu de terrain avec la, la célébration là, évidemment on reste. Et il lui rend beaucoup trop facilement le ballon et là en un temps il sait. Hein. Challenger Pro League pour l'instant il est à égalité avec Leonardo Rocha et Tierno Barry. Attention, ce deuxième ballon qui va finir au fond. Aïe 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 aïe. Début de rencontre catastrophique pour les jeunes liégeois. C'est David Hubert de jeu seulement. Attention parce que là, c'est peut-être un petit manque de concentration. Regardez dans les airs. Il vient un petit peu trop facilement remporter son duel, David Hubert. Et malheureusement, cette fois, Mathieu et Polo ne sait absolument rien faire. Attention, il est passé là avec son physique, le centre ensuite et ça va passer au-dessus. Mais de nouveau, hein, un duel remporté par Enoch Aguiel cette fois. Attention, le Kessa, parce qu'on sait hein, qu'il aime bien casser des lignes comme ici. En un temps, cette fois, ça va être récupéré. Mais regardez, on donne le ballon tout de suite au Mauve, Aguiel. Et là, il va y avoir une nouvelle frappe à Mathieu Polo qui nous sort, le donner peut-être un petit peu de confiance. En son football, en ses cap. Aguiel qui va pouvoir tirer peut-être avec son pied gauche. Et de nouveau, Mathieu et Polo. Il tente d'aller lentement, doucement. Et pourquoi pas la frappe maintenant. Le super barré de Bart Verbruggen. Pierre Camara qui s'appuie sur Aguiel. Aguiel, oh il est passé Aguiel et il peut continuer son effort maintenant. La frappe de Lokessa, le doublé. Le doublé de Chris Lokessa. Ah, on vous le disait, hein, dès qu'il est titulaire, il marque. Simplement pour aller planter ce troisième but. Ça manque de conviction. Ça manque de conviction dans le chef du Standard. Et là, est-ce qu'il va y avoir une possibilité pour Ziani qui prolonge vers Canu? Ce sera un pénalty. Alors voilà un événement qui va pouvoir. On va revoir ça au ralenti. Hein. C'est à tenter d'arrêter ce tir de Canu peut-être. Et c'est fait. C'est fait. Oh, l'arrêt de Bart Verbruggen et cette fois c'est terminé. Belle image par ses coéquipiers. Il n'est pas super bien donné hein, ce penalty de Calu. Verbruggen part du bon côté. Attention, la rapidité maintenant de De Wild qui va frappé, qui a tenté le petit lob. Et voilà donc monsieur Naktogal qui met un terme à cette rencontre.